vrai qu'au final, tu vois, j'ai pris des cours de bachata depuis, ça fait 8 ans que je fais de la bachata. J'ai pris des cours de bachata pendant les 4 ans. 4 ans à fond, tu vois. Et après, j'ai plus pris de cours de bachata, j'ai plus fait de festival. Ouais, c'est... bah oui, c'est ça en fait. Alors que. Et après, t'avais que des soirées, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai fait que des soirées, de la pratique, quoi. Franchement, si je suis. Mais toi, tu vois. Les 3 premières, je suis contente. Quand tu danses, t'es rempli d'amour, tu vois, que tu donnes. En fait, c'est pareil qu'en Racine, tu vois. Quand vous dansez, on ressent vraiment votre belle énergie. La dernière fois que j'ai ressenti ce stress-là, meuf, je crois que c'était quand j'étais en BTS. En fait, il y avait un concours qui s'appelait Agen, un incroyable étudiant. Donc, j'étais en BTS à Agen. Et ma classe, du coup, de BTS m'avait poussée à m'inscrire en tant que chanteuse, du coup. Et je devais faire une reprise d'une chanson. J'avais fait une reprise au piano de Roar de Katy Perry. Et j'étais tellement stressée, meuf. Vraiment, j'étais stressée comme là, je suis stressée. Alors que voilà, tu vois, ça va, c'est un truc chill, tu vois. C'était Agen, quoi. Agen, un incroyable étudiant, c'était pas ouf. Et j'ai fini deuxième. Oh, trop bien. Putain. Mais ça va être incroyable, hein. Moi, j'ai trop hâte de vous soutenir. Je pense que je vais prendre un petit moelleux au chocolat. J'y ai pensé hier, tu vois. Je me suis dit, avec de la chantilly, je vais vous regarder comme ça, tu vois. Et je vais être là, je vais vous soutenir de toute mon énergie. Bon, les amis, on est prêts à partir à la compétition. Wow. Je fais grave genre, mais je suis grave stressée. On va donc rejoindre Diego et d'autres personnes à 13h30, du coup, pour se préparer mentalement. On dirait que je joue ma vie, quoi. Ma petite combi, les amis. Viens te montrer à la caméra, là, comme t'es belle. Hello. Bon, moi, je suis en jogging, hein, mais bon. C'est vraiment qui fait la compétition. Moi, je vais filmer, juste. Yeah, mais c'est le soutien, le pilier, la maquilleuse, la totale, quoi. Mais regardez comme elle est magnifique. Non mais là on dirait qu'elle avait un défilé de mode. Mais elle est trop belle. En fait, je vais pour le défilé de la bachata. Je ne vais pas pour la compétition de danse. Je crois qu'il y a un prix pour de beauté. Oui, j'espère qu'il y a une catégorie. Parce que là, toi tu remportes 10 sur 10. 10, sur 10 hein. Regardez ce qu'elle m'a fait comme maquillage, comme c'est beau. C'est trop beau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Okay. Oh, tu vas bien, tu peux montrer un truc simple de twerk? Genre que je peux faire, tu sais, s'il y a de la dom. Ouais, mais c'est ça, c'est la dom, moi, ça fait chier. Je sais plus, je crois que je suis fatiguée. Ok. C'est bon, c'est que faire. Bon les amis, vous savez pas quoi? C'est une qualification pour les championnats de France. Je n'étais pas au courant. Mais elle est à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur. Je... Ça va être un carnage. Donc Diego et Lucille qui s'entraînent. Bon les amis, je suis numéro 6. Voilà. Donc là, j'ai récupéré mon dossard. Et les gens sont en train de récupérer leur dossard. T'as un commentaire? Tu veux faire un commentaire sur ma vidéo? Commencez par 3 dômes, après 3 modernes, après 3 sensuels. Et à chaque mutation, vous changez de partenaire. Donc moi, je suis là pour dire à quel moment vous changez de partenaire. Tout est bon? Alors voilà, Clément, pour vous installer, on va pouvoir lancer la compétition. Thank you.
Je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours. Pas du tout, je suis du coup de retour de la compétition. Et je me suis douchée, je me suis changée pour ce soir. Vraiment, on est très chill ce soir puisque je suis en jogging. J'étais
pimpé. Je t'ai pimpé comme GG pour le pour la compète. Mais là, genre, il n'y a plus. Je suis KO. Bref, du coup, c'était trop cool. Vraiment, ça s'est improvisé, en fait, les amis. Vraiment, cette compétition s'est improvisée parce que, à la base, c'était pas du tout prévu. J'ai su qu'il y avait une soirée, enfin, un festival au Temple de la Danse à Montpellier, du coup, hier. Et en fait, il y avait un Jack and Jill, donc c'est une compétition de danse sociale. Donc, c'est pas les compétitions show, c'est les compétitions de danse sociale. En gros, ils évaluent tes techniques de danse. Et comment tu danses en social, du coup, dans les soirées. Et du coup, il y avait une catégorie pro et amateur. Et mes copines m'ont chauffée pour le faire. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai jamais fait de compétition de danse de ma vie. Jamais fait de compétition en bachata. Du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Allez, on se lance, on y va. C'était pas cher. Là, et voilà. Et en fait, à la base, je croyais que c'était les championnats de France. Enfin, c'était marqué championnat de France. Mais en fait, c'était les qualifs pour le championnat de France. Du coup, bah, j'ai été qualifiée, les amis, pour le championnat de France de Jack and Jill. C'est vraiment chouette. Du coup, je vais monter à Paris. J'ai le full pass offert pour le festival. Et du coup, ben, j'espère que je vais pouvoir y aller parce que je travaille cet été. Mais voilà, on espère que je pourrai y aller. Et voilà, ça m'a fait vraiment du bien. C'est vraiment trop cool de faire cette compète. Donc là, ce soir, je vais à la soirée et avec mes copines et tout. Et voilà, c'est tout.